Yo, bonjour tout le monde, c'est Jean-Luc. Merci de me retrouver encore aujourd'hui sur cette troisième partie de notre tutoriel de l'union du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 1000. Alors, j'espère que les précédentes vidéos ne sont pas mal. Sinon, laissez vos commentaires dans la partie commentaires pour qu'on puisse améliorer. Okay? On peut connaître beaucoup de choses, mais si on ne sait pas exactement ce que les gens veulent, ça va pas servir à grand chose. Donc vraiment, laissez un commentaire, tout ce que vous souhaitez, pour qu'on puisse faire les choses comme vous le souhaitez. Abonnez-vous pour que la communauté s'agrandisse. Et merci de nous suivre. Et merci également d'être abonné. Okay. Alors, donc, troisième partie, on va voir la lumière. Okay? Donc, on va cliquer sur nouveau. Ensuite, on va prendre le premier modèle. Ensuite, on va importer comme la dernière fois, on l'a vu comme on importe. On fait un mur. Et on vient dans troisième partie, ce fichier là vous sera donné dans la description. Vous allez le télécharger sur le dessus. Donc je vous mets dans sélection automatiquement pour voir des personnes. Ensuite je viens sur mon projet. Donc là, concernant le projet, je le fais sur SketchUp également. Donc là le voici. On a les lumières. Là il faut déjà placer au préalable les spots. Donc les spots je les dessine assez facilement. Un set et un autre set dedans, extrusion, texture différente, et c'est fini. Au bord ici également, j'ai mis une bande un peu orangée pour le créer, pour le faire en termes de lumière. Ensuite là, j'ai mis un miroir, ce qui va nous permettre de réfléchir toute cette partie de la pièce. Et après ici, j'ai mis une lampe de chevet. Alors, donc ici, on va repartir dans le mur. Et là, tous ces objets sont représentés ici. Du coup, on va essayer de travailler là-dessus. Là, on n'est pas dans les textures, on est sur les lumières, donc on va laisser les textures comme ça. Du coup, ici, on va cliquer sur matériel. Comme d'habitude, ici, on va prendre le comme ça, ensuite supprimer l'intérieur, métal, on choisit aluminium. Ensuite, on remplit ça, on va tout ça, et on tout ça. Ensuite, on va jouer un peu sur la page. Également la réflexion, surtout la réflexion en arrière. Ensuite, on clique sur le miroir, sur le droit de l'eau. On vient dans matériaux, ici, celui-là, on diminue un peu, on réduit ça, on réduit le relief pour que ça arrive, on remplit ça et on remplit ça. C'est tout. Je vais le voir avec la lumière. Donc, on clique maintenant sur ça, les ampoules. Donc je viens ici, première ampoule, je la prends. Donc déjà dans l'union, c'est sélectionné à partir des textures. Dès que tu touches une texture, tous les objets de la même texture se sélectionnent également. Okay? Donc faites gaffe à votre modélisation. Donc je prends ça, je viens dans l'intérieur, je viens dans métal, je vais chercher mon élément préféré. Je vais prendre de l'or. Ensuite, de l'or, je vais augmenter la brillance, réduire la pratique, la fonction un peu, réduire le relief et l'échelle. Ensuite, je vais mon réglage, je augmente l'émissive. Donc, on va augmenter. Donc, si je remplis, on va voir plus, mais ça sera exagéré. Donc, c'est fait, il faut aller vraiment dessus. Un peu comme ceci. Voilà. Là, à 40, à 50, l'endroit de 43, 50, c'est pas mal. Donc, je garde 50 par exemple, comme ceci. Et je viens la coloration de l'augmente. Et cette fois-ci, je change, je viens chercher la couleur orange. Et là, ça dépend de quelle lumière, quel genre de lumière vous voulez donner. Est-ce que c'est du blanc, du rouge, du vert, etc. Ça dépend. Donc là, absolument, je vais ranger par là. Voilà. Ranger ça comme ça. Ok. Maintenant, je vais venir voir celui-là. Également, je vais mettre celui-là. Je prends tout ce que je veux. C'est pas important ce que vous créez. C'est après, puisque on me demande. Je remonte ici la coloration. Je vais dans le ranger encore également. La réflexion du monde, le relief, l'image, en fait, vous faites ce que vous voulez ici. C'est pas important, la lumière n'est pas censée.
numéro à l'autre. Le numéro de l'autre, je vais le mettre à lui. Donc je mets comme ça. Ensuite, le missing, je vais vous le faire. Je le mets également à 30, donc je vais le mettre à 40. Enfin, pour l'instant, je le mets à 40. On verra si c'est adapté à ma scène. Si ce n'est pas adapté, on le sait pas. Ok, donc pour l'instant, on laisse à 40. Ensuite, ici, on va continuer là maintenant. Pareil, on va venir dans le monde. Ici, la coloration, c'est une nouvelle page qui nous reste maintenant. Ici, on va venir en dessous. Ensuite, le missing, c'est bon. Voici, j'ai allumé la lumière. Donc, je vais réduire un peu le missing. Voilà. Et voici comment est-ce qu'on gère les lumières sur le mur. Donc là, je viens dans photo. Et je sais me placer comme ceci. Voilà. Placer comme ça, comme ça. Là, j'ai presque assez à toutes mes lumières. Mais je ne sens pas trop le côté orange. Donc, je prends ça, je monte un peu de lumière. Je monte un peu la coloration du côté. Et ici, je monte un peu également. Voilà. Également, ça, je monte un peu sur mon dessin. Voilà. Je mets en roche. Je ne peux pas attendre. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal là. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Bon. Maintenant, il reste quelque chose, les objets. Donc, je vais venir au projet. Je vais créer un calque pour avoir mes spots. Et toujours, je vais toujours. Spot au milieu. Comme ça. Et ici, je vais venir placer maintenant les spots. Donc là, je vais pouvoir placer. Je vais sur lumière. Et maintenant, je vais chercher. Généralement, j'aime prendre la lumière 19. Donc, je cherche lampe 19. Placer sur les objets vont ici. Donc là, je place le ici. Et vous placez que ce. Après avoir fini de placer un seul, vous allez maintenant le paramétrer. Et ensuite, après avoir paramétré, vous le copiez sur les lampes. C'est pas la peine de placer la même lampe plusieurs fois et puis sélectionner qu'elle a pris après. Après, l'objectif ici c'est d'avoir une petite patine pour la lumière qui frappe un peu les lumières. Je prends et là je vais si on monte la lumière, ça donne ça. Okay. Mais l'objectif c'est pas de l'illuminer tellement la pièce, l'objectif c'est de faire sentir que la lumière. Donc je vais un peu comme ça. Là on sent presque plus. Je change la lumière dans la lumière. Je vais le rendre un peu plus rouge, comme le missile ici d'ailleurs. Donc, il y a pas de mieux où est-ce que c'est. Là, juste un sur le point. Ok, maintenant que c'est fait, je vais le rendre un peu, voilà. Donc, ceci, je vais aller voir. Le sol. Je remonte un peu plus. Voilà. Ok. On le sent un peu. On va essayer de garder comme ça. Bon, attendez, je vais. On va faire briller cette surface. Je prends ça. Je vais dans le carrelage, je vais sur map, ensuite je le fais un endroit. Voilà, on avance. Voilà. Ça. Ok, ça. Donc ici maintenant, on continue avec nous. Salut.
lumière et la texture qui entoure, les textures qui entourent votre lumière a une influence sur l'effet de la lumière. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut bien veiller à trouver de bonnes textures qui mettent en valeur votre lumière. Je mets un ici et je mets un ici. Je ne mets pas. Ici vous pouvez faire les ombres optimales. Donc ça, c'est un objet. L'objet va avoir une ombre relative à la direction de la lumière. Donc ici, après, je prends tout doucement, je sélectionne celui-là et lorsque vous mettez les hat, comme le dit ici hat, vous pouvez les déplacer en copiant. Donc j'appuie hat mais enfoncé, je maintiens clic gauche également et je descends sur l'objet ici et il va rester là, mais il y aura une copie comme là. Voilà. La copie est là, on va voilà. Voilà. Maintenant c'est fait, on va le mettre. J'aime pas trop le sentir trop fort comme ça, pas du tout. Donc ici, on peut diriger la lumière, mais ce qui frappe sur une copie, on peut prendre carrément sur le sol. Donc ici, si vous cliquez sur ici, bien sûr, la lumière est sélectionnée avec vous ici, et le parcours que vous l'envoyez ou pas. Mais bon, c'est pas, on peut laisser comme ça, ça ne dérange pas du tout. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc ici on a ça. Ensuite on va placer les lumières pour faire briller une surface. Pour faire briller une surface pas compliqué, on utilise la surface lumineuse. On prend ça, ça dépend. Et je peux prendre ça ou ça dépend. Je peux prendre la deuxième option et je vais placer ça à l'intérieur de la lumière ici, comme ceci. Ensuite j'appuie sélectionner, je sélectionne mon écran et je peux augmenter la largeur. Et je prends des places horizontales et je bouge à droite. Je zoome pour voir un peu ce qu'il y a. Voilà, je prends le point. Voilà. Ensuite, je maintiens Alt et je vais à gauche. Je vais à droite. Je vais à droite. Quand tu sais faire, je vais sélectionner la ligne de comme le dénom en 3, je sélectionne le deuxième. Ensuite ici, je vais me donner la même lumière que le dénom. Donc si ça, vous l'avez fait en blanc, je vais conseiller d'avoir une lumière blanche. Si vous l'avez fait en orange, une lumière orange, tout comme ça. Donc maintenant qu'on a ça, on peut jouer avec. Donc je peux en mettre un peu plus pour qu'on le sente vraiment. Maintenant, pour ne pas qu'il frappe trop le sol, comme ici, on va diminuer, on va augmenter son atténuation. Donc, l'atténuation, vous voyez là, mais c'est les mêmes juste en fil et tout, on ne touche pas tout. Et là, c'est limité. Donc là, il vaut mieux réduire. Voilà, pour ne pas qu'il. Ok. Donc, voici, il est bien réduit comme ça. Ok. Donc là, là, une lumière qui passe. Celui-là qui descend. Et voici les spots, on le sent un peu comme ça. Lui, il frappe comme ça. Il
signe du son. Ok, et là maintenant, c'est pas tout parce qu'il y a encore des. Il y a encore des éléments à voir ici. Dans effet, caméra, oui, caméra, ensuite dans déflexion de lentille. On va dans déflexion de lentille. Ici, regardez, ici vous avez la possibilité d'ajouter de la luminosité aux lumières. Donc, ou réduit. Donc, on peut augmenter. Et tout ce qui est comme lumière qu'on a touché pendant le texture peut s'augmenter ou réduire. Ou se réduire. Donc là, je mets ça peut-être à 1. Ensuite, ici, vous avez une trace de. Si je réduis la position, si je remonte un peu la luminosité globale, on va un peu les traces. On reste la luminosité globale comme ça. On peut remonter. Voilà. Les traces autour de des lumières, c'est ça qui s'agit ici. Voilà, ça on peut augmenter ou réduire le nombre de traces. Rotation, nombre de traces, dispersion. Je réduis la dispersion, je réduis la faiblissement. Voilà, et là je mets trace bien visible comme ça. Ok, je peux tourner. Réduire le nombre de traces. Donc là, on va essayer de réduire la luminosité un peu comme ceci. Voilà. Comme ça, on ne sent pas trop bien. On voit. Ici, on va essayer de pousser les lumières. On va essayer de pousser les lumières au mur. Ceci, donc, on va sélectionner les trois lumières. Les placer horizontalement et on va pousser ça un peu au mur. Voilà. Comme ça, on va sentir ça direct. Ensuite, on descend un peu comme ceci. Donc, on a voilà, vraiment l'impression que c'est ces lumières-là. Donc, vous voyez là, elle trace et on descend. Et là, voilà ça. Donc, ici, si je mets la lumière ici, elle réduit un peu la couleur ici, que je le mets un peu en blanc. Et que du même coup, je sélectionne mes trois lampes. Et que eux également, je les mets un peu en blanc. Voilà, vous voyez là que. Sur un grand mot là, si je veux réduire un peu la luminosité, et bien voilà comment est-ce qu'on gère les lumières. Ici, je vais voir la réflexion de la lumière, vu qu'il y a une ampoule, voilà, j'ajoute la réflexion. Il y a une ampoule, il y a un miroir par nous. Thank you.
voilà. Après, comment manger les pierres sur le mur. Donc là, je tape. On va améliorer la texture, on va améliorer la texture.